nous chanterons au temps de Cerise et qui rossignol et Melamoca seront tous en fête. Sifflera bien mieux le Melamoca. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va de cueillir en revend des pendants dorés. Cerises d'amour aux roses pareilles tombant sous la feuille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant ce corail qu'on cueille en rêvant. Quand vous en serrez au temps de cerises, si vous avez peur de chagrin d'amour, évitez les belles. Moi qui ne crains pas les peines cruelles, je ne vivrai point sans souffrir un jour. Quand vous en serez au temps de cerises, vous aurez aussi des chagrins. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur une plaie ouverte. Et dame fortune en mettant au fait, ne saura jamais calmer ma douleur. J'aimerais toujours le temps des cerises et le souvenir que je garde au Est-ce que vous êtes prêts à commencer ce slam, cabrones? Oui, ok. Donc, on va commencer tout de suite avec Eriri et Coco Erico. Erico, Erico, vas-y, dis-nous. L'appel octopus. Réflexion sur la commune. Le cri. Titre d'un de mes poèmes pour dénoncer le maudit système. 18 mars, jour de ma naissance. Drôle de concours de circonstances. Et curieux, j'aime les cabanes, les cadeaux, le café, les cailloux, les calanques, mais pas les canons. Pourquoi les canons? Titre d'une chanson qui me reste en tête. Et puis, je crois aux insurrections, sans guerre civile, comme celle que l'on vit comme poète à Belleville. C'est dire qu'il ne fallait pas que j'écarte la question des canons de Montmartre. L'histoire n'est pas là pour nous faire penser en arrière, alors je m'en sers, je l'explore et vois
qu'on a compté les morts aussi avec amertume au temps de la Commune. Du soulèvement du 18 mars 1871 à la semaine sanglante et terrifiante, il en est tombé des hommes, il en a coulé du sang. Compter et voir serait vraiment glaçant. Pourtant, les communards étaient pacifiques quand ils proposaient de négocier avec la République. Les conditions de vie, le travail des enfants, la misère ont créé ce soulèvement extraordinaire. Où en est-on aujourd'hui? On voit que le peuple réagit de moins en moins doucement et ça s'agite au gouvernement. Tout prend un tournant alarmant. Des livres, des dicos, Internet et surtout mon amie, pour toujours, Hélène 227, qui prend ses recettes, dans tous les textes me lit, la semaine sanglante, et je suis saisi. Quand elle me chante la butte rouge, écrite par Montéus, mon corps entier en bouge. C'est soudain une évidence. Il faut qu'on soit plus à penser comme un octopus pour redonner du sens à ce qui a de l'importance. Les poètes la sentent, l'importance, pour éviter que recommence une nouvelle semaine sanglante. La Commune, 150 ans déjà, que reste-t-il de cet événement? Se souvient-on de cet événement? Paris reconstruit pour oublier. Barricades partout dans Paris, révolte populaire, répression féroce, hommes et femmes en révolte. Les revendications, mesures sociales, toujours les mêmes. Égalité des salaires, hommes-femmes, réquisition au profit des sans-abri, augmentation du salaire des instits à l'époque, suppression des bureaux de placement privés et leur remplacement par des organismes communaux dans chaque mairie, des mesures démocratiques, séparation des églises et de l'État et suppression du budget des cultes, instruction publique gratuite, obligatoire et laïque. À l'heure où la Ve République part en couille, on parle de la Commune. À Versailles, une assemblée monarchiste. Thiers fait massacrer des civils par l'armée. Les figures de l'ordre, Adolphe Thiers, Ernst Picard, Jules Dufort, écrasent les communards. Environ 15 000 morts. C'est la semaine sanglante. Les âgés d'aujourd'hui, dans les théâtres, dans différentes villes de France, les gilets jaunes, les nuits debout, tous ces mouvements me font penser à la Commune. L'histoire a été rasée. Il ne reste plus que quelques souvenirs sur le mur du Père Lachaise. Les dernières barricades élevées au carrefour des rues de Ménilmontant, de Bercamp et du boulevard de Belleville, détruites, signent la fin de la Commune. Je n'oublie pas les clubs populaires, le militantisme des femmes, Louise Michel, Marguerite Victoire Giner. Et aujourd'hui, on nous bassine encore avec la loi contre le séparatisme. Mais combien de lois va-t-il falloir? Toujours la même rengaine bourgeoise et libérale. Retenons cette leçon du pouvoir du peuple par le peuple. Mais il y a un hic. Va-t-il encore falloir des massacres pour en venir à bout de cette dictature libérale? Libérons les consciences et vive la prise en main de la rue par le peuple. L'Internationale n'a-t-elle pas été créée pendant la Commune et on continue toujours de la chanter? Finalement, nous revivons toujours les mêmes choses. Alors, à quand le changement? Pour l'instant, on est gazé, on perd une main ou un œil. Alors, à quand le pire? Merci. Yeah. 18 mars 1871, le gouvernement a voulu confisquer à la butte Montmartre les canons de bronze que les Parisiens avaient alignés pour se défendre contre l'ennemi qui, 4 mois, les avait assiégés jusqu'aux animaux de la ménagerie, chiens, chats et rats, avaient été mangés. Nombreux ceux qui avaient perdu quelqu'un, un être cher, un ami, un enfant. Ils n'allaient pas abandonner maintenant et obéir à ce pouvoir faquin. Les Parisiens se révoltèrent
avec la troupe fraternisèrent. Deux généraux furent fusillés, le gouvernement expulsé. La commune fut proclamée. L'État était abandonné. C'était désormais en comité que la loi serait adoptée. Le 20 avril est publiée la déclaration aux Français. Paris explique à la nation les raisons de sa rébellion, son idéal socialiste et son projet autonomiste. Liberté de se syndiquer, plus de police et plus d'armée, émancipation du travail, de l'instruction pour la marmaille. Ouais. Les communards firent choir dans un tas de fumier la colonne Vendôme érigée à la gloire de Napoléon Ier, lui dédiant ce poème « Tricheur, j'eusse sur cette chasse, si le sang que tu fis verser pouvait tenir sur cette place, tu le boirais sans te baisser. » Décidé à mater ce mouvement populaire, le gouvernement tiers enrôla une armée. Avec l'aide de l'ennemi, ils encerclèrent Paris. À Paris, les camarades élevèrent des barricades. S'encourageant fort, ils criaient « La République ou la mort !» 900 barricades furent dressées, but aux cailles rue des Amandiers, boulevard Puella, fusil brandi, rue de la Paix, place de Clichy, Château-Gaillard, rue de Rivoli, rue de Charonne, boulevard Belleville, place Blanche et place de la Bastille, Ménilmontant, porte Maillot, place Vendôme et rue Axo. Barricade La Fontaine-au-Roi, Jean-Baptiste Clément Dédia, la chanson du temps des cerises à la jeune ambulancière Louise. Les Versaillais entrèrent par l'ouest dans une progression vengeresse. Pour ralentir leur avancée, les communards ont incendié les lieux de pouvoir, les palais, exprimant ainsi leur détresse. Les Tuileries, le Palais d'Orsay, Palais Royal, l'Hôtel de Ville et le Théâtre du Châtelet et la colonne de la Bastille. Ce fut une semaine sanglante. Les communards furent arrêtés, fusillés, brûlés, enterrés, un véritable enfer de Dante. 20 000 communards tués, les derniers fusillés au mur des Fédérés, 10 000 furent déportés. Oh. Cette histoire est cachée. La France tente d'enterrer cette action tyrannique, honte de la République. Mais Eugène Potier a écrit un poème devenu une chanson connue du monde entier, censuré par les cons, mais un tube quand même. Debout, les damnés de la terre, debout, les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin. Du passé, faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tout. C'est la lutte finale, groupons-nous. Et demain, l'international sera le genre humain. Vive la commune! Le tonton à ses petits neveux, le fils naturel de Victor Hugo et de Michel Sardou, pilote l'hôte moi-même. 17 mai 1871, but de Belleville, la belle République sociale et universelle bat de l'aile. Derrière une barricade faite de briques et de brocs, on observe Paris en flammes, on entend les détonations du massacre. Debout sur la table d'une cantine en plein air, un fédéré, pinardier de son état, poète à 16 heures, anime une joujou, une teuteux, une joute poétique. Par dérision, on l'appelle capitaine de la flotte pour faire plus court, pilote. Il y a quelques poètes et un public d'ouvriers, découvreurs, des maçons, des marchands de soupe, toutes sortes de petits métiers, tous armés. Parmi eux, une blanchisseuse. Elle s'appelle Jeanne-Marie et elle a de fortes mains. Elle a été choisie dans ce jeu improvisé pour élire le poète gagnant. Le capitaine appelle un premier poète sous les applaudissements. Il commence à déclamer.
ça parle de temps des cerises et de Merle Moqueur. C'est pas mal, c'est joli. Tu devrais en faire une chanson, lui dit la blanchisseuse. Au milieu de l'attroupement populaire, le poète Pinardier aperçoit un grand gamin de guingandé, l'air boudeur. Hey, tu veux dire un poème, lui demande Pilote. Sans répondre, le genou monte sur la table et tout en fixant des yeux, les mains de Jeanne-Marie récite les 27 strophes du bateau ivre. À la fin, le capitaine qui somnolait décrète « C'est trop long !» Et Jeanne-Marie rajoute « Moi, ça me rappelle mon bonhomme de marinier qu'il était tout le temps bourré. Comme on n'est pas des Versaillais, on va pas te coller au mur ni te crever les yeux, cabronne, avec une ombrelle. Mais bon, tu reviendras une autre fois. Allez, applaudissez le poète !» Et pour consoler le perdant, il lui dit à l'oreille, les meilleurs poètes ne gagnent jamais, t'inquiète pas, on ne sait pas qui gagna cette joute poétique, on avait oublié, on avait d'autres soucis derrière la barricade, parce que les Versaillais approchaient, quelques-uns restèrent, d'autres préférèrent, reste vivant, ainsi fit le poète Pinardier qui préférait les poètes vivants à culture rapide plutôt que mort dans une bibliothèque. Le jeune poète repartit chez sa mère à Charleville-Mézières, Cabronne, se demandant s'il ne valait pas mieux là arrêter sa carrière de popo, sa carrière de poète et partir faire du commerce du côté de Harare. Surmontant sa déception, assis sur le bord du chemin, il pensa aux mains de Jeanne-Marie et commença à griffonner des vers. Le capitaine de la flotte s'exila en Suisse. Il se reconvertit horloger tout en réfléchissant à des règles plus précises pour son jeu de poésie. Voilà pourquoi, maintenant, aujourd'hui, 150 ans plus tard, tous les mardis, sauf Covid, à Belleville, à 21h30 précise, les poètes ont 3 minutes 10 maximum pour déclamer leurs poèmes. Et c'est pourquoi, tous les ans, les poètes du monde entier, en chair ou en zoom, viennent sur la Bubu, sur la Teute, sur la butte de Belleville, où se programme la République universelle de ceux qui aiment dire et écouter des poèmes. Vive la commune, vive Belleville, ville le slam. Et comme disait ma grand-mère, allez vous laver les mains et restez vivants. Ouais. Bravo. T'as un poème sur la commune, Benoît? Ah ouais, j'ai un poème sur la commune. Yes, man. Et toi, la faune, t'as un poème sur la commune? Après. Benoît, allez. Vas-y, fais-nous rêver. La dernière barricade de la commune, j'avais rêvé et suis devenu fédéré. Le dernier sur la barricade, j'ai vu mourir des camarades. Les Versaillais sont arrivés hors de ses raies et marais sales. La rage au ventre pour écraser ceux qui criaient « Vive la sociale !» Ils ont tué au Père Lachaise tous les Gavroches et les Gervaises. Au mur, ils les ont fusillés. Je suis le tout dernier de Belleville sur la dernière barricade qui tient encore rue de Tourtille, mêlant au pavé les cadavres. Ils ont amené du canon. Nous avions peu de munitions. Tout sera bientôt terminé. Mais pas question de reculer, car la commune aura vécu comme un espoir au genre humain, et les sans-grades et les vaincus la ressusciteront demain. Ils auront beau grimer Montmartre en basilique d'opéra, sûr, comme deux et deux font quatre, la commune refleurira. Et j'ai gardé la dernière balle pour le premier qui avancera, et je crierai « Vive la sociale » quand à mon tour on me tuera. Pour la commune, j'ai tout donné. Et je mourrai en fédéré, fusillé sur la barricade. Je rejoindrai les camarades. Laurent Asselineau, Laurent Asselineau, Laurent Asselineau. Vas-y, Laurent, explique-nous. Mets ton micro d'abord, peut-être. Ouais. Attends, mets ton micro, Laurent. Plus qu'une minute, Laurent. Vas-y, mais toi, là, on ne t'entend pas, là. Je disais donc félicitations. Félicitations. Merci, bonsoir. Ouais. Allez. Ah, tu ne veux pas m'entendre. Tu ne veux pas m'entendre, Joël. Eh ben, tu enlèves le son. Bienvenue à toi, mon ami. Voilà. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on est libre. Justement, la commune a contribué à développer la liberté. C'est un fait, c'est un événement majeur. La révolution russe n'aurait jamais eu lieu sans cet exemple-là. On a appris énormément.
pendant cette commune. C'est un sacrifice infiniment utile. Et aujourd'hui, si Sandra peut se caresser les cheveux et se faire belle devant Zoom à cet instant, ce que j'apprécie, c'est aussi grâce au tombeau. Oh, c'est ouvert, génial. Et si Joey peut rigoler tout le temps, c'est aussi grâce à ça. Nous devons beaucoup à tous les événements de l'histoire et il n'existe aucun sacrifice qui ait été stérile et qui n'ait pas contribué au confort dont nous jouissons, nous tous, dans nos beaux appartements bien chauffés, dans des endroits agréables, avec des beaux jardins. Qu'est-ce que la commune ? La commune, c'est le jardin de Belleville, c'est le jardin des buts de Chaumont, c'est ces endroits partagés et qui nous appartiennent, on ne se pose même pas la question. Avant, il n'y avait rien, c'était dégueulasse, ça puait partout, il y avait de la merde partout. Rien n'appartenait parce qu'il n'y avait rien. Ceux qui se sont battus pour plus de dignité et pour une vie plus confortable, plus normale, moins une vie d'esclave. Et c'est ça qui nous portait pour donner à leurs propres enfants une vie qui vaille la peine d'être vécue, pas toujours à patauger dans la boue, en laissant juste quelques bien friqués s'en mettre plein la lampe et se régaler. Nous devons tout ce que nous vivons aujourd'hui, tous les moments de bonheur qui sont 10 fois plus développés que ceux qu'avaient nos anciens, nous le devons à ces sacrifices. Et ce sacrifice de la commune a été une victoire. Comme toutes les grandes défaites qui se font dans l'honneur, ce sont des très grandes victoires. Ça se passe toujours, toujours comme ça. Ils avaient cru pouvoir brûler Jeanne d'Arc, ils ont tout perdu, les Anglais. Ils avaient cru, les bourgeois trop engraissés, qu'ils pourraient, en ayant zigouillé tout le monde, ils allaient obtenir, gagner. Ils n'ont pas gagné, ils ont totalement perdu. Et aujourd'hui, il faut se battre aujourd'hui. Il ne faut pas seulement penser à 150 ans auparavant, c'est maintenant qu'il faut se battre. Il y a un message qui est passé, c'est maintenant qu'il faut aller dans la rue pour protéger vos enfants qu'ils veulent faire vacciner, ces enfoirés, ces enculés. C'est maintenant qu'il faut y aller. C'est maintenant qu'il faut marcher, c'est maintenant qu'il faut se battre, c'est maintenant qu'il faut imiter ces gens qui ont accepté d'y aller pour vous, pour leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs arrière-petits-enfants, c'est-à-dire vous faites pareil pour les vôtres. J'ai pas fait mes devoirs de la semaine, moi, j'ai pas écrit sur la commune. On dirait un jeune étudiant dans son studio. Ouais, je suis désolé, j'ai eu une idée, mais j'ai pas eu le temps. T'as oublié le poème dans son chapeau. Je circulais en trottinette rue de Damas, la bien nommée. Il faisait nuit, j'étais pas net, je suis tombé comme foudroyé. C'est là que la voix m'a parlé, c'était chaud, c'était enveloppant. Ça n'avait rien d'humain, juré, c'était mystique et transcendant. Elle a dit « Vois », alors j'ai vu. Entends, alors j'ai entendu, et face à la vérité crue, d'un regard je fus mis à nu. Oui, dans mon rêve épectatique, j'ai vu le dernier jugement, des prémices au Ragnarok christique, j'ai ouï l'odieux dénouement. J'ai vu de Gog et de Magog, 1000 dragons aux yeux de flamme, tracer leurs grinçants monologues, serpentant en sérails infâmes, sillonner l'abîme insondable, ne s'arrêtant que pour cracher des tréfonds jusqu'à qu'à la surface mit le torrent d'âmes damnées. J'ai vu ces poupées serviles marcher en rang vers Babylone, les jambes lourdes et l'esprit vil, la mine grise et l'œil atone, toutes par Satan dépravées en désir et duplicité, concupiscentes et consumées par réclame et publicité. Alors, se levant du couchant en ronde de démons dansant, j'ai vu les diables vombrissants, crachant, hoquetants et fumant, parader ourbi et orbi comme à la nuit de Valpurgis, nous étouffant dans le déni et la folie de notre hubris.
En vérité, je vous le dis, mes bien chers frères et bien chères sœurs, ils s'amoncellent à l'infini les noirs nuages annonciateurs. Minuit arrive bien avant l'heure et moissonneur à nos erreurs, sonnant le glas pour le pêcheur et l'alali pour le prêcheur. J'ai vu la marque du malin coloniser nos quotidiens, d'abord portée par quelques-uns, puis greffée sur tout un chacun. Lorsque, cédant à mes cauchemars, ne cachant plus ses amitiés, l'homme prit pour fier étendard cette pomme à moitié croquée. J'ai vu sur les berges du Styx les rouges brasiers d'aubépine se muer en sombre phénix, puis plonger dans l'eau bleu marine. Et sous la pâleur de la lune, la fumée étreignant leurs plumes répandait partout peste brune, miasme et méphitique brume. J'ai vu cela, et tant encore, toute la liste de nos torts et nos pitoyables efforts joués dans les mains de la mort. Aucun sauveur à l'horizon, ni solution, ni rémission, seulement partout l'affliction, l'amer goût de déréliction. Lorsque l'on m'a réanimé, tout était calme, doux et serein. Des angelots blancs et blasés me demandaient si j'allais bien. J'étais tout en camisolé, ma chambre était capitonnée et on me donnait la béquée sous forme de petit cachet. Depuis, on me dit « aliéné ». Mais seul est fou qui ne voit rien. Mon prêche n'est pas illuminé, c'est le quotidien francilien, la tragédie du genre humain subissant le poids du labeur. Enfant de Dieu, mes orphelins, seuls sur la route du malheur. Merci. Yes, man. Ah ouais. C'est vrai que j'adore les gaufres à la crème de marron, mais j'en suis pas l'inventeur. Alors, tout d'abord, je voudrais dire que la commune, j'y étais pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je n'étais pas là. Et même si j'avais été là, je pense que quelles que soient les époques, j'aurais été une crapule et j'aurais pas été me battre. Je crois que je serais parti à la campagne. Mais c'est vrai, parce que les gars ils m'auraient dit oui viens, on va détruire la colonne. J'aurais fait oui. Vas-y. Et puis j'aurais entendu les gens. Oh, t'as vu l'autre il s'est pris un coup de machin là, dans le ventre, il est mort. Ah, j'aurais fait ça fait mal ça. Ouais. Donc voilà, c'est. Je crois que quelle que soit l'époque. Ça fait l'étranger de Camus. J'aurais fui, j'aurais déserté. Je serais parti en Suisse, encore que je ne sais pas parce que ça coûte cher. Mais j'aurais regardé où c'est qu'on pouvait se cacher. Voilà. J'aurais rejoint le temple solaire ou les chamans. Merci pour tout, hein, les gars. Malgré tout, je dis merci à l'humanité qui est pleine de. Qui a un putain d'engagement vital, hein, presque, hein, parce qu'il fallait quand même y aller. Hein. Et je les remercie. Non, mais c'est comme l'autre, il me dit, oui, t'as vu, il y a Macron. J'ai dit, c'est qui Macron? C'est-à-dire qu'en fait, ce que je voudrais juste résumer, c'est que quelle que soit l'époque qu'on passe, je ne me rappelle pas que ça se soit bien passé. Donc, disons des conneries au jour le jour, parce que le temps passe vite. Merci à vous et vive la poésie rigolote. J'ai nommé Pipi Lolotote, Pilote moi-même. On a les leaders qu'on mérite, monsieur le président de la République. On rise le up, on check le hip, on ouvre nos bouches, on participe, on est déçu, puis on pardonne. Toi, tu capitalises dessus. Elle fait quitte se faire prendre pour une conne, la blique répute France des cocus. Je suis né sous le signe de l'Hexagone, monsieur le président sur son trône. Depuis tout petit, je suis gavé de pommes, je vais voter, je vais manifester, et je crois que papa va tout changer. On a les leaders qu'on mérite, nos petits chefs d'esclaves consentis. Monsieur le président de la France du Somme, monsieur le chef d'État de France du Quefri. En fait, c'est grave, pas toi qu'ambiance, monsieur le président de la présence, et ta cinquième république, même si elle fait celle qui s'applique, c'est une michetonneuse du troisième âge
qui nous fait plus bander dans sa cage maintenant que j'approche la soixantaine et qu'on va débander ensemble la leçon de la vie que je mets en scène avec la blique répue de ma France. C'est le Lego de la décroissance, l'inspiration de la vigilance. Bonnie and Clyde et Boule et Bills, Baba Freslech, les Bababines, il est tribal leur code civil pondu par des trous de balles habiles. Les contrepétries de ton système, monsieur le président, du stratagème, elles calculent la flore et la faune pour pas que notre viande devienne moins bonne. Nous, le temps, il n'y a que ça qu'on possède et les cancers à la douzaine. Dans l'insécurité sociale, 20 jours fériés, 3 festivals, tu cries qu'il ne faut pas qu'on s'énerve, qu'on taffe pour payer nos droits de vivre, mais qu'on ne touche pas à la tirelire, mais qu'on ne touche pas à la tirelire. Toi, qui gouverne par accointance, te faudrait un ministre des Finances, pas un busker qui fait la manche fondation. Nicolas Hulot, à Cannes, sucer les Esquimaux, les bons amis font les bons comptes et tout le monde veut faire partie de tes potes, tout le monde veut grimper sur le bateau. Monsieur le Président des Lèche-Bottes, mais ta France, c'est des punks à chiens, un troupeau d'Uber anarchistes, des coqs qui ont la bite dans la main, gravés de Prozac, de bière et de shit sur le dos des t-shirts Mickey, du Wi-Fi, des piercings dans le nez qui broutent et qui font baie en regardant les trains passer. Tes politiciens qu'on mérite, c'est le président de la République, ils ont ta montre, mais nous on a le temps, toi t'as pas le temps, monsieur le président, toi tu capitalises dessus et elle kiffe de se faire prendre pour une conne, la blique répue de France D. Cocu. Thank you for this opportunity to speak, PLU. My contribution is on commune, and it's a little dark, but once I started, it just sort of ran that way. It's called Commune de Jour, by Marcy Franham of Natchitoches, Louisiana. Today I prepared for you a dish combining all colors and textures of peoples, almond and round, ridged and serene, diamond and square, navels by which we cling to life like Abel's umbilical cord tied to earth, our hands that caress or kill, our bones matching as mirrored water those of the martyrs of Belleville, France, or Yates, Ireland, or Myanmar, or Hong Kong's umbrella bearers, or those breathless ones in America, about which we sing with infinite pain, voices square-rooted and made splendid with the crispness of zatar and honey of thighs. Pushing forward defenseless genitals, your hands dreaming of jubilant weapons. 70,000 women and children printed onto walls at Hiroshima Peace Garden. 45,000 Algerians shelled from shore at Satif, their bodies perfect as calla lilies or violets I have sugared for the tip of your tongue. You may consume this briny offering with its cachet of fear and metallic boredom. 30 years of payday loans swallowing down an oxalis tang of minimum wage. I've tried to marry the piquancy of your place in our society with your number of dependents, dirt dauber nests, rounds to the telephone doctor, responses to text surveys, and the pleasure of allowing you to remain where you're told. But let us now clear our palates, as the undisclosed bodies are piling up, and we fear one might bloom into a bona fide name at Rue Rompenou, or Minneapolis, or Tiananmen Square. There, that's better. After all the endless letters written on pages, spilled ink and blood that netted you nothing, you have room for a rich dessert. We're patient like spiders, knowing
The gossamer web always bewitches the fly. It will hold, and stillness comes. Yet this final delight may smooth rumpled newspapers and untangle a knotted web. For I present as a last treat the simple finish you always caved for. An apple pie lie announced in the loaves and fishes. There will never be enough for all of you. Je suis l'enfant. Je suis un enfant de l'ère de COVID-19. C'est le mal nommé Paneuf qui n'est que le substitutif d'autres mots plus abusifs. Je suis l'enfant handicapé que vous avez condamné au canapé et auquel vous avez kidnappé l'humanité. Je suis l'enfant abandonné au hasard de la vie qui m'a façonné. Oh vous, mes parents, pourquoi m'avez-vous damné? Pourquoi m'avez-vous arraché du giron de la famille pendant des années? Je suis l'enfant de la rue, aux pieds nus, je me tue à survivre mon misérable vécu. Je suis l'enfant harcelé, si je ne suis pas violé. Oh, monstre pervers, tu m'as volé mes plus beaux rêves que j'ai scellés. Je suis l'enfant né dans la guerre, qui a assisté à l'assassinat de sa mère, son père et ses frères. Je suis ciste, gère, mais je ne quitterai jamais ma terre. Je suis l'enfant, je suis l'enfance. Aidez-moi à vivre mon enfance. Protégez-moi du gré, du vent, de l'intérêt, du caprice, de cet individu proclamant des sentences, sans appel en étant qu'il était lui-même enfant. Je suis l'enfant, je suis votre enfant. Merci. I remember you and your love, my love. I remember you. I remember on angel. I remember on angel. I remember you. I remember you and your love, my love. I remember you. I remember the vein on the flowers. I remember on angel. I remember you. I remember two eyes in the night. I remember two eyes in the night. I remember you. I remember Paris. I remember Paris. I remember you. I remember you. I remember the vein on the flowers. I remember you. I remember you. I remember. I remember. I remember you. I remember. It's been so many years since I've had the time to think of all the things that we will never do. But it seems that nowadays I've all the time to spare. But it just feels so empty without you. Will I ever get to see your face again? Or will I to call your name again? Are you still watching over us? Or is that just a tale they tell? I walk through empty streets and sit on lonely benches, wondering how you'd feel of what we have become when all is said and done.
It might be better where you are when all is said and done. It might be better where you are. Will I ever get to drink with you? Or will I get to see that smile I knew? Are you gonna come back to me? Or is that just a tale laid down? The city and the sins have created me anew, but it's what I had to do to stop myself from losing what I could not lose, and to keep remembering you, what I could not lose, to keep remembering you. Will I ever get to kiss those cheeks again? Or will I bad jokes again? Are you happy with where you have gone? Or is that just a tale they've